Oula! Oh là 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 là, ça a frôlé le montant gauche de Baltus. Attention à ce contre de Davranche. Il est bien placé. Boateng. Oh là là, il avait tout le temps bonnet d'ajuster son tir. Dominique Pandore qui contrôle bien son ballon. Le centre de Pandore et la belle tête de Guyonnet. Attention, c'est pas terminé avec le tir de Doumbia. Et bien capté par Beuve. De nouveau par Dominique Pandore pour Bastia. Dominique Pandore, sur voie de réparation. C'est bien joué, le petit crochet, le tir. Oh, que c'était bien joué. Et la belle parade de Beuve. Bobichon pour Bastia. Bobichon pour Pandore sur la gauche. Pandore dans la limite de la surface de réparation. Le tir de Pandore. Et une nouvelle fois, bien capté, bien cadré ce tir. Mais... Et les Normands s'en sortent bien avec Bonnet. Bonnet, un long ballon à destination de Fofana. Ouh, attention. Oula, et le but. Et le but. Ah, le but, superbe but là. Hein, parce qu'il était vraiment complètement excentré. Il était complètement excentré, le joueur d'Avranches. Coup franc de Bobichon, directement dans la boîte. Il cherche. Oula. Il avait cherché le maire. Quand même donné à Pandore. Il a devant lui Beignet. C'est bien joué peut-être pour Beignet. Mais gardien, le gardien de but va est bien sorti. Et Beignet a pu récupérer ce ballon qui a été mis en corner. Est-ce qu'il est en pointe? Bonnet dans le paquet. Et la tête de Thiaré. Doumbia. Doumbia. Oh, le bon ballon pour Pandore. Le tir de Pandore. Et l'égalisation. Oh, la belle égalisation de Pandore qui égalise donc avec deux équipes qui vont se livrer à fond pour tenter de faire la différence. Et un coup, oulala, qu'est-ce qui se passe? Beignet qui s'en prend un petit peu à un autre joueur. Il appelle les deux protagonistes, en l'occurrence Beignet et Guyonnet. Et ça va peut-être être un carton jaune. Ah, un carton rouge carrément. Carton rouge carrément pour les deux. C'est peut-être un petit peu sévère, mais bon. Fofana peut-être qu'il va. Non, il a préféré contourner le centré. Attention, le tir de Michel. Et il n'est pas passé loin. Le tir de Klaus. Tiens, le vent est bien tombé, mais il y a des petites rafales. Attention à ce coup franc. Oh, le joli but. Oh, le joli but de Bonnet dans la lucarne. Et c'est reparti pour les Normands avec Bonnet. Bonnet, oulala, qui a vu Baltus avancer. Et oui, il a vu Baltus avancer, c'était bien joué, mais un ballon qui passe quand même à côté des buts du gardien. Doumbia, position d'ailier droit, Doumbia qui va centrer, il cherche Koné. Attention, peut-être la reprise de Koné. Il attend trop Koné. Oh là 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 là. Pour Massoni, peut-être le centre de Massoni. Massoni qui contrôle la défense, le tir de Massoni à côté. Donc sur cette victoire d'Avranches ici en terre bastiaise. But 2 buts à 1, but marqué par Thierry à la 24e minute, égalisation de Bastia à Pandore à la 53e minute. Et finalement, c'est Bonnet de maître tir, un très joli coup franc, qui donne la victoire à cette équipe d'Avranches à la 69e minute.